Eh bien, salut tout le monde, c'est Xuska et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play, cette fois-ci sur Days Gone. Donc voilà, l'avant-dernière exclu de chez Sony, hein, techniquement, avec après le dernier c'est Last of Us 2. Hein, alors du coup, on va mettre les sous-titres. Oui. Là, attends, on voit quoi, vérifier que ça a été validé. On va pas jouer en HDR, on s'en branle. Gameplay normal. Attraction du viseur. Oh, oui, je suis sur console malheureusement. Adhérence du viseur. Ok. Ouais, je vais peut-être me mettre un peu dead quand même avant de. J'aurais mon combo clavier souris, ça aurait pu régler le problème. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, allez, je vous propose qu'on aille découvrir ça. On va jouer en mode facile. Non, j'ai quand même en normal. Allez, ma Lucette, on va aller voir ce que vaut ce jeu. Avec des hordes de zombies, de la moto, du sang, de l'amour, du sexe. Je sais pas ce qu'il y a dedans en fait. Je sais qu'il y a des zombies. Mais à part ça, voilà, c'est tout ce que je sais du jeu. En tout cas, j'espère qu'on va pas encore avoir un temps de chargement de l'infini. Parce que là, ça va être... Parce que c'est bon, hein, les temps de chargement, hein, y en a marre. Hein. Vivement la prochaine gen, hein, qu'on ait enfin des disques durs M2 en Ande. Ah. Elle est brûlante. La lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un grand couteau. Hé, hey, aide-moi. Allez. Mm-hmm. Ok, viens. Merde. Encore une fois. Où le filet avant qu'ils y aillent? Faut qu'on monte sur le toit pour faire signe à ces hélicos. Bien, je m'en occupe. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a... Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires? Écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là. Brian. Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok? Deux. Quoi? Vous avez de la place que pour deux? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que deux, c'est tout. Ok. Allez, aidez-moi, allez! Ma chérie, ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Boozer, on y va, faut qu'on embarque. Faut qu'on monte dans les dents. Dans le grand gars. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais me tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés, Swiftfinger Jack, à l'ouest. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Elle s'appelle Reviens. Vous venez? On décolle. Non. Okay.
Eh ben moi je lui aurais même pas donné la bague en vrai. Non. Attends, attends, coupe ton moteur. Merde, elle est vivante. Alvarez. Et Alvarez. Alvarez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Qui a fait ça? C'était un coup des Reapers? Qu'on aille plus loin. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter le son des voix? Parce que bon Dieu, qu'est-ce qu'on les entend pas, quoi. Maintenez pour activer le turbo. Waouh, la manivelle a l'air. Allez, vas-y, tire pas dessus. Il doit pas en avoir beaucoup. Vu comment il vise, c'est sûr qu'il doit pas en avoir beaucoup. Hein. Waouh. Ah, le maniement est spécial, hein, de la moto. Waouh. Ouais, moi je m'en fous, je passe par là. Ouais, je lui attaque. Wow. Bon, je suis supposé le rattraper à un moment donné, ou bien... Non, je sais pas. Wow! Allez. Wouh! Wow. Elle est lourde à manier la moto, c'est un truc de fou. Eh hey mec! Oh attends, attends! Il a laissé sa moto! Couvre-moi! Je te suis, mec! Appuie sur R3 pour pister, ok. Mais où est-ce qu'il va? Y'a rien ici, par ces saloperies de mutants. Je me suis peut-être planté, à son sujet. Il a peut-être pas de deal avec Copland. Non, ça fait un bail que Léon fourgue du matos à Copland. Ça finit par le rattraper. Alors, pistage indice en mode survie, votre manette sans fil vibrera quand la caméra fera face à un indice. Oh mon dieu! Hey, attends, doucement. Doucement. Merde. Bon, ok. Alors, attends, là. C'est par là. Les traces sont fraîches. Y'a moyen de courir ou pas? Au fait, où t'as appris à pister comme ça? J'allais chasser l'élan avec mon vieux quand j'étais môme. Pister des bêtes sur les kilomètres.
Ok. Poum 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 poum. Oh, oh à couvert. Ça va, frangin ? Ouais. C'est juste une égratignure. Ce fils de pute vise comme un pied. Putain de merde. Ça va ? Il a sûrement pris par là, vers la cascade. Il pisse le sang. Il n'ira pas loin, allez, viens. Oh. Alors, dis donc, pour une égratignure, t'as quand même pris 27 dégâts. Fouille-le. Tu te vides, hein? Sale façon de crever, c'est lent. Et ça fait un mal de chien, mais ça tu le sais déjà. Elle était encore en vie quand on l'a trouvée, fils de pute. J'allais sûrement pas gâcher une balle pour elle. Attends, on s'énerve pas. Où sont les médocs? Léon, si tu te mets à table, moi au moins je te promets que tu auras droit à une mort rapide. Je crois que tu souffriras pas très longtemps. Léon, je t'explique, t'as un petit souci. Il flaire ton sang qui coule. Et de très très loin, à ton avis, ça fait quel effet, hein? De se faire étriper. Et bouffer tout cru. Il va pas tarder à le savoir. Va te faire. Adieu, Léon. Attendez. D'accord. Partez pas. C'est juste... là, tiens. Où ça? Dans le cimetière. Je les ai cachés dans le vieux cimetière. Merci. T'avais dit que... Vas-y. Laisse pas clamser comme ça. Vas-y. Fais-le. Enfoiré de menteur. Allez. Doug voudra une preuve pour la prime. T'as pris la bonne décision, mon frère. Pas question de laisser quelqu'un en butant. Même un enfoiré comme Léon. Mais j'ai même pas eu le choix. J'aurais bien voulu avoir le choix. Moi j'aurais balancé aux zombies, perso. Hey, minute. Je veux fouiller ce camp, au cas où il y aurait quoi me rafistoler. Ok. Voilà, tu vas bien me servir. On va trouver quoi? Alors, appuyez sur un pour le menu. Attendez. Hop. Tenez R1 pour fabriquer. Oh, reste à combiner les deux. Voilà, comme ça, ça devrait le faire. Ouais. C'est pas aujourd'hui que je perdrai mon bras, on dirait. Je pensais qu'on irait chasser cette nuit et rapporter quelques primes à Tucker. Pas s'il pleut des cordes, frangin. On a besoin des crédits. Faut qu'on fasse des réserves de matos. Ouais, d'accord. Mais je veux pas passer toute la nuit dehors. Je manque d'exercice. Je vois ça. Je vais voir si je peux prendre des pièces. Non, mais bordel. Quoi? Le fils de pute. C'est l'arrivée d'essence ou tu t'es pissé dessus? La pompe à carburant. Léon, ouais, il m'a flingué ma pompe en flûre. Ça donne quelque chose, sa moto? Non, elle est foutue. Écoute, on a qu'à retourner au Mont O'Leary. Demain matin, on ira te trouver des pièces détachées pour ta bécane. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Autant s'en occuper tant qu'on est là. Quoi ? Chez Crazy Willy, c'est pas loin d'où on est. On a qu'à y faire un tour. C'est quoi ton plan ? On devait sortir chasser cette nuit, non ?
Chez Crazy Willy, c'est aussi bien qu'ailleurs. Ok, ça roule. Hé, hey, la file est quoi, Léon? Une espèce de carte. Quand on aura récupéré ma bécane, on ira fouiner du côté du cimetière. Ouais, ça roule. Bon, demain, on récupère les médocs, on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon. Après, on file vers le nord. Et tu penses que c'est différent dans le nord? On s'en fout, ça nous ferait du bien de nous tirer d'ici. Attends, la route est bloquée. Fais gaffe. J'ai vu un piège de ce genre il y a 2 jours. Les Reapers avaient barré la route avec une vieille camionnette. Allez, aide-moi à la bouger. Ouais. Alors, hop, véhicule à pousser. Ouais. Pousse! Mais c'est un super véhicule, ça! Pourquoi tu prends pas? Je vais te faire! Allez! Lâchez rien! Lâchez rien! Oh, bordel, faut le voir, le X! R2 pour réaliser une attaque de mêlée. Changer de cible, maintenez L dans la direction. Ok. Ça c'est bien gore quand même un peu. Enfin, un peu quoi. Allez, on y est presque. On peut pas les looter ? On peut même pas looter des armes, des munitions. Il y avait une belle hachette là. Ouais. Je peux monter, si. Ah, je voulais looter. Il a quand même l'air d'avoir du mal à tourner. On approche du vieux checkpoint du Nero. On y est presque. Eh merde, qu'est-ce qu'on fout là? File-moi ton fusil à pompe, je passe devant. On dirait qu'ils se sont retrouvés acculés au check. Est-ce qu'il n'y a pas un mode, genre, vous savez, pour favoriser le taux d'image par seconde plutôt que de favoriser la qualité? Apparemment, non. Dommage. Point. Et ça a plutôt mal tourné pour eux. Et t'as plutôt fini à 6 pieds sous terre avec ces foutus pionniers. Ouais. Bon sang. Regarde-les. Quelle bande d'abrutis, tout ce temps qu'ils sont. Ils ont dit aux fédéraux qu'ils attendraient bien sagement que la Horde vienne les bouffer ou quoi? C'est moche de partir comme ça, dans un trou à rats de ce genre. Quel jeu a l'air beau, mais il a l'air de tourner très mal. Mais il y a combien de cinématiques dans le jeu, sérieux? Oh putain. Ouais bon. Allez, viens, on se tire. Attends une seconde. Il te reste combien de molotov? Laisse, on verra ça au retour. Ouais, ouais, c'est ça. Va chier. Je rêve, tu cherches vraiment la merde. Tu l'as trouvé, on dirait. Nick, putain, Nick. Hey, Nick, 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 Nick. Je crois qu'il est mort. Tu vas me péter mon fusil.
Ouais. Ok. Ok. Tu vas y retourner, hein? De quoi tu parles? Au putain de camp de réfugiés. T'agis comme ça que quand tu penses à y retourner. J'agis comme quoi? Pas responsable de sa mort. Laisse tomber. Si t'étais monté dans l'hélico avec Sarah, tout ce qui aurait changé, c'est que tu serais mort. Laisse tomber. Trouver souvent des. Vois si tu peux nous dégager un passage par l'autre côté. Ça marche. Braque ton phare par là-bas. Attends. Comment est-ce qu'on trouve les munes? Ouh. Ouais. Y'a rien d'autre? Pas intérieur, rien, ok. Bon, ça. Ah, il prend tout d'un coup. Nice. Ouh, trace de sang, trace de sang, on peut dire que ça saigne. Bordel! J'aime pas les zombies! J'en ai besoin. Putain, mais il a une de ses ranges pour prendre les objets, c'est un truc de fou. Toujours besoin, toujours plus. D'accord, donc là je fais pas de bruit. Allez, pousse! Vas-y! Oh merde. Quoi? J'ai pas fait exprès! Ma faute, hein. Oh okay. Bon, on y va. Une oreille de grouilleur. Oh. Oh. Elle est où, là? Celui qui arrête pas de vouloir venir. Ah, d'accord, ouais, c'est quand même pas mal. Encore des mutants. Et quoi ici? La ferraille, cool. De la ferraille, ta la la. C'était de la bonne ferraille. Hein? J'ai pas d'ici normalement. Non. Ah, y'a un mec qui s'est pendu. Reste en petit morceau, mec. Ah d'accord, je peux passer par là-bas. Hop. Encore un nid. Oh. Ouais, je le sens. Il te reste combien de Molotov? Tu viens d'utiliser le dernier. Ah, génial. Et il te reste de quoi en faire? Ouais. Ah. Allez, fais-moi le matos. Alors, ce sera pas long. Où le Molotov? Ça fera l'affaire. Yep. Ouais. Merde. Ils arrivent. Allez, grimpe. Ouais, attends. Allez, j'arrive. Faut pas aller à l'intérieur d'abord. Genre, y a pas moyen d'entrer? Non? Ok. Bon bah allez, vas-y, on va voir comme le frérot. Enfin, le bro, on va dire. J'ai réfléchi à ce que t'as dit. De partir vers le nord. Ouais, ce que je dis. On devrait se tirer d'ici. Ça te changerait des idées. Demain matin, on récupère les primes et on met les voiles. Bien parlé, frangin. Ça me plaît.
bienvenue à la foire aux monstres. Merde. Ça grouille de partout. Assez de munitions. T'as une idée? De toute façon, elle sera pas bonne. Tu vas traverser le patelin pour en attirer un maximum derrière toi, ok? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin, ensuite tu reviens et on se tire en vitesse. Quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Allez-vous, bande d'enfoirés! C'est ça! Je suis là, sac à merde! Venez voir papa! Saleté de tétard. Allez, fichez-moi le camp, saloperie. Quoi, on peut les flinguer aussi? En fait, je sais même pas ce que je dois faire là en vrai. Là, on voit les petits monstres là, mais je sais pas à quoi ils servent. Alors, tétards et tétards sont craintifs et se cachent dans les endroits difficiles à atteindre comme les toits. S'ils sentent que vous êtes affaiblis ou ils se sentent menacés sur leur territoire, ils attaqueront. Ok. Ouais, c'est ça. Restez là-bas et on devrait bien s'entendre. Ah, je fais du bruit là en plus. C'est dingue. Alors, voyons voir si vous êtes con ou si vous êtes con. What? J'ai ça comme... What? Oui. Ah, c'est bon, on a compris. Les buissons vous permettront de vous cacher si vous n'êtes pas... Appuyez sur triangle. Mais il est incassable, ok. Vous êtes en train de me dire qu'on peut, on risque de ne pas pouvoir les tuer avec ça. Là-bas je dois aller. Ah! Ouais, c'est les nids, ça en fait! Je suis pas là, c'est faux! Bon, moi on peut les tuer dans les buissons, c'est pas trop mal. Ah, ça va être génial cette histoire. Maintenant la question que je me pose c'est à quelle portée je suis visible en fait. Ouais, j'ai vu cette place. Apparemment on peut se planquer là-dedans. Il y avait du PQ! Ah, des bandages pardon. Est-ce que je dois avoir peur d'en trouver un ici? Oh. Qu'est-ce qu'on a ici? Un terrain sting, hein. Ah, je vois rien. Et merde, il va me voir. What? Non, ça va. Bon, le problème, c'est que je vois qu'il y a des zombies partout dans la zone, là. Je vois des points rouges partout. Non, ça va, en fait, je peux courir jusqu'à...
Allez, mec! Je peux faire des molotovs d'ailleurs. Ah ouais, je peux en faire. C'est pas deux normalement. Mais le jeu, est-ce que tu veux bien me... Ok, donc apparemment je n'ai choix que d'un. Oh merde! Bon, moi je peux me défendre avec la patte, c'est pas trop mal. J'avais pas un nid juste là. Ici, y a pas un... Même deux nids! Deux Oni-chan! Comment on fait un genre de cœur en fait? Comment il fait pour pas me voir? Comment il fait pour pas me voir, c'est bizarre, gars. Bon, ça va en fait. Attendez à pire. Du coup, je peux entrer. Ah, voilà, du coup, je peux entrer dans le nid. Et du coup, il y a tout qu'à cramer, bien sûr. Prendre. Oui, je sais, j'explore un petit peu. Oui, ça me ressemble pas, je sais. Bon, moi niveau soin, on n'a pas l'air dégueulasse. Alors là, c'est ça, c'est L1. Non, R1, pardon. Bon, si on a l'objectif là. Pas de la drogue! J'en ai besoin. Nick! Comment ça avance, frangin? T'es prêt? Pas encore. Faut que je trouve comment accéder au garage. Il y aura sûrement une pompe à carbu. Bon, bah, grouille-toi! Je viens de passer un de ces... Comment t'appelles ça déjà? Les trucs que les Reapers accrochent? Des totems. Ouais, ça veut dire qu'ils sont dans les parages. On peut trouver quoi dans les bagnoles? Un silencieux? What? C'est un silencieux là-dessus? L'essence vous permet de ravitailler votre moto et générateur. Les générateurs. Faut que je trouve un générateur, on est d'accord. Il est où le générateur? Il va y avoir des nids ici. Pas pour l'instant. Allez, allez. Oh, oh. Je récupère comment là. Ah.
te plaît, des munes. Des soins. Pff. Faut que j'aille où. Ça c'est ici, ça c'est sûr. Merde, condamné. Faut que je trouve un autre accès. Il y a peut-être un passage par le toit. Ouais, comment on passe par le toit? Ah, ok. Salut. Encore des détails. Faut chier. What? Ouah, ils font mal! Putain! Je pensais que si j'ai... Ah, mais oui, c'est vrai. J'avais oublié que c'était leur territoire. Alors... Qui veut t'aider? What? Eh, c'est marrant parce que c'est quand même le premier jeu officiel où est-ce qu'on peut tabasser des enfants. Ouais, mais du coup... Comment dire? Faut que j'aille jouer. Oula, j'ai pas vu l'heure. On va s'arrêter ici. 735 jours écoulés, ok. Je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... Oui, attitude. Comme d'habitude, je te procure. Vous connaissez la chanson, vous connaissez ce que c'est le dicton. Je vous laisse. Je vous fais plein de pouces partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce tchao bye, wouti wouti, et que l'amour du PSB soit avec vous. Peace.